On a déjà prié, on a déjà parlé de moi. Okay. Je te veux la bénédiction. Viens ici. On a fini de prendre. Qui devant moi? Hein? Mon frère, je suis devant mon frère. Tu dois m'abuser. Non, pardon, laisse-toi. Moi, je suis trop déçu. Non. Laisse. Madame, c'est l'envoyé de Dieu. Madame, non, mais moi j'aime pas ça. C'est l'envoyé de Dieu. Oui, mais je ne suis pas Dieu. Quand tu as rentré dans ta chambre, pour te mettre en genoux. Non, quand tu as rentré dans ta chambre, mets-toi en genoux. Moi je suis un homme, je n'aime pas qu'on se mette en genoux, maman. Pourquoi tu as de mettre en genoux? Tu as quoi? Ah. Vous allez vivre. Quoi? Rien n'est caché, l'esprit qui est à moi. Rien n'est caché devant un homme de Dieu, oui. Devant toi. Oui. Tu vois tout. Oui. Je n'ai pas de parole à changer devant toi. Je veux seulement que tu m'aides. Pour que ce qui est à moi. Ça quoi? Le mauvais esprit qui est rentré à moi. C'est plus que mauvais esprit. Vous avez vu. C'est quoi? J'ai vu là, c'est quoi? Vous avez là, dit la sorcellerie. Il a dit, tu dis. Qui parle là-bas? Ouais, elle n'ose même pas dire le nom. Ah, c'est nourrit, t'es rigé, hein? La sorcellerie, ah, tu as ça? Seigneur. Tu as ça? C'est un esprit. Hey, okay. Tu as ça? Oui ou non? Tu as ça? Tu te concentres, tu as ton messie. Hein? Oui. Hein? Oui, mais tu as ça c'est ou non? Celui qui. Tu as ça ou tu n'as pas ça? Oui, toutes mes choses sont. Je vois que ça n'a pas de la vie. Je n'ai pas beaucoup de la vie. Vous voyez comment mon travail est difficile? Madame, arrêtez vos comédies là. Levez-vous, allez, levez-vous. Lève-toi. Elle n'ose même pas dire le nom. Tu as quoi? Si tu sors de ton corps, tu as tombé ici. Tu veux faire sorcellerie? Dans où tes yeux? On a rien dit, Balé. Le monde est au sérieux. Tu as quoi? Mon professeur, j'ai dit. Prophète, pardon. Mon prophète. J'ai dit, j'ai pas. C'est que j'ai. Tu n'as rien. Attends, ça y est, ma. Tu n'as rien. Je suis en train de me faire un peu de temps. Moi, où je ne sais pas. Madame, qui est venu s'asseoir ici? Qui est venu s'asseoir là-bas? On t'a forcé? Est-ce qu'on t'a forcé de venir t'asseoir là-bas? Qui allait s'asseoir là-bas? Répondez-moi ou bien? On est en conflit? On est en conflit? Pourquoi vous êtes allé vous asseoir là-bas? C'est pendant la prière d'autrefois là que vous m'avez dit que je dois venir ici. C'est moi qui ai dit ça. Quand vous êtes venu là que vous m'avez dit. Vous m'accusez? Non. C'est parce que vous avez vu quelque chose sur moi. Sinon, tu n'es pas sorcier. C'est ce que j'ai dit là. Sinon, tu n'es pas sorcier. Non. C'est l'esprit qui est à moi là. Hein? Que je ne vois pas. Donc, tu n'es pas sorcier. Papa, ça vous plaît. Hein? Attends, elle dit qu'elle veut qu'on en ait ce qui est en elle. Qu'est-ce qui est en toi, André? Moi, je vois que pour vous, rien n'est caché à vous. Qu'est-ce qui est en toi? Vous avez touché une maladie, je suis malade. Donc, on doit enlever ce qui est en toi. Quelle maladie tu as? Salut.
Papa, je suis embrouillé. Tu es embrouillé? Je suis embrouillé. Hein? Il y a une comédienne, hein? Non, papa. Non, papa. C'est pas comédienne. Levez-vous. C'est ça, dit. Vous me voyez comment c'est difficile. Est-ce que moi, il t'a forcé? Hein? Madame? Ouvrez les yeux, hein! Ouvre tes yeux, pas me distraire! Tu t'es forcé? Je suis arrivé, je t'ai vu dans la place ici, dans le quartier général. Tout le monde dit que. Quand le gars dit, il avait dit que moi. Madame, vous êtes sorcière. Voilà. Faut arrêter ta comédie là, tu es sorcière. Mais ma sorcellerie là, ça ne me permet pas à parler. Donc, de faire ce qu'on doit faire pour parler. De faire. Bah, vous avez vu. Non, 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 je te pose. Comme, tu, comme ton sorcellerie, c'est bobo. Elle est sa sorcellerie, c'est bobo, ça, c'est mieux. Ton sorcellerie, c'est mieux. Je ne peux pas changer de parole. Hein? Bah, vous avez vu que je suis moi. Aidez-moi. Aidez-moi, tu es. Aide-moi, papa. Je n'ai pas besoin de changer de parole. Papa. D'accord? Hein? Tu l'es ou tu n'as pas? Tu as ça ou tu n'as pas? Ouais, pour toi là, c'est mieux, c'est beaucoup. Madame. Mon papa. Tu vas mourir. Hein? Je ne veux pas verrer mon Dieu, je ne pourrai pas. Hein? Mon Dieu peut pas. Ton Dieu peut pas? Mon Dieu peut pas parce que tu es là. Il a déjà vu. Il a déjà vu quoi? C'est moi, je suis sorcier. Il a déjà vu. Donc, je sais que quand tu as vu, tout est changé. Hein? Que rien n'est caché à tes yeux. Donc, c'est que tu as vu. Non, elle me dit. C'est pas parce que je suis en train de vous. Comme je vois rien, vous allez me demander quelle question je veux vous répondre. Maintenant, je ne te prends pas. D'accord? Non, papa. Je vais te laisser. Tu ne vas pas me laisser en fait. Hein? Tu devrais voir? Je ne peux pas me laisser Ophélie. Ophélie. Si tu n'avais pas vu, tu n'avais pas dit. Hein? Non, tu es aussi trop obligé, tu peux aussi dire non, je ne suis pas dedans, que c'est une accusation. Tu peux aussi dire que je t'accuse. Tu es libre? Hein? Ça dépend de vous, je vois rien. Oui, donc tu peux, ça fait une accusation. Non, je t'ai accusé, va t'asseoir. Va t'asseoir, je t'ai accusé. Papa. Non, je t'ai accusé. Comme tu n'es pas sorcier, moi. Seul. Non, je t'ai accusé. Va aller t'asseoir. Tu n'es pas sorcier, non? Je t'ai accusé, non? C'est ça? C'est ça? Ne te force pas. Vous ne me forcez pas, mais je sais que vous avez vu quelque chose. Parce que vous êtes l'homme de Dieu, envoyé de Dieu. Je dis, je ne suis pas, je ne peux pas changer. Allez, dites, le supplant, c'est terre, laissez-moi. Si vous parlez là, j'ai envie de laisser. Là, ça m'embrouille parce que je suis fatigué.
Madame, l'âge que vous êtes, vous avez là, c'est pas pour jouer, faire des trucs de bébé. Tu fais comme beaucoup des enfants. Tu es une grande mère, tu es une bébé. Tu fais comme les enfants. Comme tu dis, c'est moi qui a vu que toi, tu n'es pas dedans. C'est une accusation. Elle dit qu'il t'accuse, tu n'es pas dedans. C'est ça? Donc, va t'asseoir. Je n'ai plus besoin de te poser des questions. On est d'accord, ça? Vous pouvez nous sauver. Mais pour de quoi? Tu n'es pas désigné de sauver. Un homme de Dieu peut dire à quelqu'un que tu es comme ça et tu es venu. Mais si mon bien me dit qu'il est sorcier, tu peux te dire non, il n'est pas sorcier. Je ne sais pas quelque chose qu'il te dit. Ok, donc on ne peut pas t'aider. Hein? Comme tu as vu, je sais que c'est Dieu qui a vu. Donc, comme j'ai vu. Donc, j'ai vu. Si tu n'avais pas vu quelque chose sur moi, rien n'est caché à tes yeux. Donc, si tu n'avais pas vu quelque chose sur moi. Ou bien j'arrête la séance. Si vous n'avez pas vu quelque chose sur moi, je sais que rien n'est caché à tes yeux. Tu sais que je suis homme de Dieu. Rien n'est caché à mes yeux. Et tu dis que tu ne reconnais pas. Maintenant, tu dis que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas changer de parole. Non, mais tu peux dire non. Est-ce que si on fasse quelqu'un? Comment un homme peut dire à son papa non? Il dit qu'il est mauvais, non, on doit dire non à ton papa. Je ne veux pas nous faire ça. Donc, tu n'es pas sorcière? Il dit, comme vous l'avez dit, je suis sorcière. Ça me distrait les gens. Non, je montrerai les gens. Lève-toi. Tu n'es pas sorcière. Toi, t'es mère pour toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis après je me disais. Vrai ou faux? Madame, faut pas me distraire, je vais te chasser. Tu es né pour toi, vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, où est ton caolet qui prend pour disparaître, pour aller tuer les gens? Vous savez ça? Tu as dit de t'aider, non? Hein? Je suis à Dieu maintenant. Madame, tu as dit de t'aider? De t'aider? Où est ta poudre magique, sur sorcellerie, là où tu as gardé ça? Ah, tu ne vois pas? Ce n'est pas chez toi la maison, tu ne vois pas ça? Donc tu t'es laissé? Il n'y a pas quelque chose que je m'apprends. C'était de prendre pour aller. Je regarde lui quand il ne voit pas. Donc je te laisse? C'est ça? C'est ça? Ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai dit. Donc, ok. Donc, on n'a plus de débat à faire, c'est ça? Vous pouvez toujours me voir, m'aider à parler. Ce que je ne vois pas, vous qui voyez, vous pouvez me voir. Mais c'est ce que j'ai vu, il a dit, tu dis non, c'est pas là. On ne peut plus causer. Je vois, il te dit, voyez ça, tu me dis non. Donc, le débat est clos. Je suis en train de t'accuser, c'est ça? Plaisantement, là, avant. Quand on était petit, quand tu es né, tu es petit, quand tu fais des choses. La vieille, va t'asseoir. Qui devant moi? Qui devant moi? Qui devant moi? Qui devant moi? Elle a quoi? Je suis avec les gens. Il s'appelle Guadio. Il s'appelle Guadio. Il s'appelle Zoumoud. Faut écouter. Il s'appelle Guadio. Tu veux quoi? Je viens dire le nom des gens que nous on prend pour envoyer là. Nous sommes les sorciers là-bas. Tu n'as pas dit que tu ne connais pas? Non, je n'ai pas dit. Je commence à citer
prophète. Tu me fatigues ou bien? Je ne te fatigue pas, mon prophète. Je te pardonne. Dans le vrai esprit, marque de 6 mois, mon papa, mon esprit, mon prophète. Papa, ça a resté 6 mois, il est parti. Pardon, je te pardonne. Aïe, c'est moi. Moi, je suis dans la maison, je suis fatigué, je suis venu t'aider. Je te pardonne. Sinon, ce matin, il va t'aider déjà. Je voyage, moi je voyage. Je ne suis pas obligé d'être ici. Je suis venu t'aider. Oui, toi tu veux me distraire. Tu ne veux pas quitter dans quelque chose. Je te laisse dedans. Non, mon préfet, c'est pas bon. Si ça reste sur le banc de bas là, c'est pas bon pour moi. Mais c'est bon? Non, mon préfet, pardon. Tu as des conneries, gnani. On va t'enlever ça et tu veux. Tu ne veux pas parler. Je veux parler, mon préfet. Comme si on te forçait. C'est la française qui me marque. Ah, arrête tes conneries, arrête ça. C'est ça. Français, tu as parlé ici, alors tout le monde a compris ça. Ah. Moi, je crois que c'est histoire, vous filmez, vous qui êtes des caméras. C'était pardon. Mauvais esprit là. Faut pas s'arrêter si moi il va envoyer, pardon. Mauvais esprit là. Faut pas s'arrêter si moi il va envoyer, pardon. Envoyez ça où? Envoyez où on fait là-bas là, c'est pas bon. C'est pas bon, mon prophète. Je te pardonne. Je te pardonne. Et toi? Je te pardonne. Et toi? Pardon, je ne vais pas te laisser. Pardon, mon prophète. Hein? Tu veux pas quoi? Je ne veux pas te laisser. Me laisser? Ouais, je veux que tu me sauves. Là. De sauver de quoi? C'est que tu as quoi? Prends mon tête que je suis, papa, pour me sauver la vie. Je ne vois pas rien. Je vois rien, mon Dieu. Ouvre mes yeux. Je suis accusée. Où est le boulot? C'est pas facile. C'est pas facile. Si tu n'avais pas de quoi, c'est moi. Elle a bouché. C'est-à-dire qu'elle me ramène là, c'est moi. Comme c'est moi qui ai vu, ok, il n'y a qu'à faire. Sinon, elle ne me voit rien. Ouvre mes yeux, papa, ouvre mes yeux. Tu ne vois rien. Mon esprit, elle est mieux, il est bobo. Oh Dieu. On appelle quoi, il va esprit bobo. Elle mon esprit, il est bobo, oh Dieu, il est bobo, oh Dieu. Son esprit est soumis. Elle dit, je vois rien, je n'entends rien. C'est un esprit bobo. Mais les sorciers, c'est des comédies. Tout ça, c'est le travail le plus difficile. Arracher à vœux et à sorcier. La vieille. Toi. Et toi. Tu vois rien. Tu vois rien? Je vois rien. Ok, lève-toi, va t'asseoir. Tu vois rien, va t'asseoir. Je ne peux pas t'aider. Aide-moi, papa. J'aide les gens qui voient clair, qui mangent. C'est mon travail, c'est aider les gens qui voient et qui mangent. Tu ne vois pas, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y a à moi. Hein? Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc tu n'as rien. Lève-toi, allez, va t'asseoir. Mais si je n'avais rien, je n'allais pas voir ce que je fais. Tu sais que tu es un homme. Il y a quelque chose à moi. Je dis que je ne peux pas changer de parole. Non, tu es capable, tu peux me dire non. Tu n'es pas forcé. Hein? Visite-moi, papa. Hein? Visite-moi. Qui a de visite? Je vais te visiter. Regarde de visiter. Papa, sauve-moi la vie. Mais tu vois rien. On ne peut pas sauver quelqu'un qui voit rien. Nous, on sauve lui qui voit et puis mange. Qui voit cabri, puis va manger cabri. C'est la personne qu'on sauve. Toi, tu vois rien, non? Mon esprit bloqué. Ok, ton esprit bloqué, allez, vas-y. Pourquoi tu as l'esprit bloqué? Lève-toi. Elle dit, l'esprit est bloqué. S'il est bloqué, c'est bon. Va. Lève-toi, va t'asseoir. Hein? De t'aider. Tu sais, elle est à côté, là. C'est au verset, lui, chez toi. Je te donner un visa, tu chutes. Ça, c'est délivrance aussi. Si tu ne veux pas me provoquer, va t'asseoir. Comme tu ne vois rien. Comme tu ne vois rien, je ne vais pas te forcer. Je n'ai rien vu sur toi. Bon, je n'ai rien vu sur toi. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Tu es une vieille tête. Tu vois, tu es bonne vite comme ça. Là, tu es bonne. On est enfant. Je ne suis
suis pas bourrée. Faut que je soumette pour gagner mon pari. Tu as fait quoi pour demander pardon? Tu es un poudre mystique. Tu utilises ça. Toi, tu prends ton, ta salive pour empoisonner les gens. L'Esprit de Dieu me dit que tu as tué 227 personnes. En train de t'amuser, en train de t'amuser ça. Tu n'as pas un balai? Tu n'as pas un balai mystique? Après la foudre, tu as un balai mystique? Tu as un balai mystique? Qui est ton avion? Tu n'es pas d'accord? Lève-toi. Va t'asseoir. Oh, ce qu'il a dit là, si tu n'es pas d'accord ça, lève-toi, va t'asseoir. Je n'ai rien vu, non? Hein? Je n'ai rien vu. Ah, tu tues 227 personnes, tu es une poule, tu prends disparaître, tu prends ta salive pour empoisonner les gens. Et puis tu es là, tu dis, non, je n'ai rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Si je parle à vos places, on peut parler à vos places. Sorcière. Hein? Hein? Je t'ai forcé pour être ici. Je t'ai forcé. Je suis allé te prendre la maison pour t'envoyer ici. C'est moi qui suis allé te prendre la maison. Oh, je te parle. Je suis allé te prendre la maison pour t'envoyer ici. Hein? C'est moi qui ai dit de venir t'asseoir ici. Tu as dit aux gens que tu voulais parler, parler de sorcière. Je suis allé te dire. Tu as dit, moi, je ne sais pas qui tu es. Oh, je ne sais pas qui tu es. Moi, je ne sais pas qui tu es. Alors, de t'aider comment? Sorcière. Je n'ai pas dit que vous avez menti. Il n'y a pas de quoi? Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Parce que tu es. Je n'ai pas menti. Tu as tout, tu vois tout. Alors, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on te délivre? Si je veux que vous me délivrez, c'est pourquoi je suis devant vous. Regardez. Vous voyez comment ça change, des humeurs des gens. Tu viens te content, puis tes humeurs changent un coup. Le travail, c'est difficile. Ça te donne des humeurs bizarres, après le livrant même, ça te change les humeurs. Mon travail, c'est tout stressant. Tu n'es pas sorcière. Hein? Elle dit le côté sorcier. Elle est bloquée là. Tu n'es pas sorcière. T'es une véritable sorcière, elle. Oh, lève-toi. Tu veux que je t'aide comment? Je demande papa. Tu vas laisser la sorcellerie? Tu as laissé. Si tu as laissé à moi, je vais laisser. Tu as fait quoi? J'ai dit, si vous m'avez délivré, je ne peux plus faire la sorcellerie. Pourquoi tu tues les gens comme ça? Gâter la vie des gens. Hein? Vous gâtez la vie des gens, vous tuez les gens. C'est quoi ça? On te donne l'occasion de changer, tu es là, tu vois rien. Toi, tu vois rien, toi? Le pouvoir, toi, tu es là, tu vois rien? On te donne la possibilité d'être délivré de gnani, gnani, gnani. C'est saleté, sorcellerie, c'est saleté. C'est la saleté, la sorcellerie. Vous êtes là pour gâcher la vie des gens. C'est vous que vous voulez pas parler. Est-ce que c'est forcé? Ils ne forcent pas quelqu'un. Tu ne vois pas, mais tu dégages. Tu vas chez toi. Ici, on accepte les gens qui viennent délivrer. Moi, je n'ai jamais forcé quelqu'un. Est-ce que 227 personnes de là, tu empoisonnes les gens, tu les gâtes. Tu prends fétiche des gens, tu prends la fécondité des gens. Toi, tu fais ça.
sorcier c'est là. Oh, c'est pas toi qui parle. C'est ça que tu voulais pas parler. C'est ça que tu voulais pas parler. Hein? Je suis en train de parler, toi, pas m'énerver. Hein? Je suis déjà fatigué. Ouais, je suis venu avec content, ouais, comme les humains qui changent un peu. C'est comme ça ici. C'est comme ça, mais mon travail là, c'est comme ça. Ça change mes humeurs, tout ça. Ça fait, c'est fatigant. Tu es là, tu es sorcier, tu détruis la vie des gens, non, ils ne voient rien. Toi, tu vois rien. Tu veux voir. Hein? Je veux te dire ce qu'ils n'ont pas dit la métal. C'est toi qui sais parler français. Toi, tu sais parler français. L'esprit qui fait ça la métal. Toi, pourquoi tu dis pas sorcellerie? Pourquoi ça, toi, ça, le sorcellerie, là, ça sort dans ta bouche? Tu as fait des bizarres. Vous avez dit, c'est un esprit. Ah, c'est moi? Mais l'esprit a son nom. Donc, sorcellerie. Je ne veux pas changer de parole devant vous. Voilà, comme on dit, hein. Nyeni, nyeni, nyeni. Nyeni, t'en fais des fêtes devant nous ici. Il va changer. C'est ça, c'est l'hypocrisie. On fait comment? J'ai dit mon papa. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a à toi, enlevé? Ouais, ouais, la sorcellerie, elle dit pas ça. Elle dit esprit, elle dit diable. Quoi? Sorcellerie. D'enlever ça? Oui. Non, il est laissé. Deux mois, toi. Ah, si j'étais forcé. Tu ne m'as pas forcé, je dis du mal. Mais tu dis, tu ne vois pas. Parce que tu es mon, c'est toi qui es mon délivré, c'est toi seul. Il veut te délivrer. Toi, mais tu sais. Tu sais que ce qui est en toi là, c'est moi qui veux te délivrer. Hein? Et puis tu joues à moi. Non, je joue pas à toi. Je t'écoute. Tu vas dire moi, je sais pas ce que tu fais. On fait comment? Tu es prête ou tu n'es pas prête? Je suis prête. Ton balai mystique, tu as balai, c'est ça que tu prends pour faire avion. Pour aller détruire les gens. Tu as poudre mystique, tout ça. Tu as tué 227 personnes. Quand tu toi qui détruis fœtus des gens, tu manges leur fécondité. Toi tu fais ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hé, arrête à côté là. À côté, t'as entendu le faire là, arrête ça. D'accord, j'ai compris. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Tu as déjà vécu, tu résistes à quoi? Tu es tombé, ton pouvoir est tombé. Depuis que tu es ici là, tu es tombé, ton pouvoir est tombé. Je t'ai regardé dimanche là. Ton pouvoir est tombé? Hein? Dimanche là, tu t'es transformé en perroquet vert. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Je te demande. C'est pas ça? Je te chante de te demander. Faut pas me distraire. Hein? Non, faut pas me fatiguer. Tu t'es transformé en perroquet pour rentrer dans mes narines. C'est pas ça? Oh, s'il vous plaît. Vous criez quoi? J'ai banalisé ça. Oh, regarde-moi dans les yeux. C'est pas des fautes. C'est pas des fautes. Tu mets tes fautes. Tu t'es transformé en perroquet vert. C'est pour ça que je te regardais, j'ai digéré. Parce que j'étais en train de faire un autre message. Nous, on avait fini le combat. On a fini le combat la semaine. Donc ma prédication était autre chose que ces conneries que tu allais faire. Tu allais rentrer dans moi dans mes narines. C'est moi, tu allais dans un rang fou. Je t'ai regardé. Tu es venu te mettre en genoux. J'étais convaincu que j'allais te trouver ici. C'est pour ça que je te regarde. Toi, tu as fini la sorcellerie. Vrai ou faux ce que j'étais en train de dire? C'est vrai ou c'est faux? Alors. Assieds-toi là! Même le sol! Non, là, tes fesses à terre! Là! C'est moi qui t'ai venu tuer. Tu t'es regardé, tu t'es regardé, tu es banani. Camarade, pardon. Hé, tiens! Nairi,
Qu'est-ce qu'on fait, vous deux? Vous voulez quoi? Hein? Je veux que tu en aies esprit mal dessus moi. Hein? Tu vas partir avec ça. Tu vas pas faire ça. Mon préfet, t'es là, je vais pas partir. C'est la deux options. Où tu pars, tu es délivré. Hey. Où tu vas avec ça, tu es délivré aussi là-bas. Je veux parler. Donc tu fais exprès pour me fatiguer. Non, c'est pas ça, mon préfet. Si je te vois, mon cœur bat, c'est non, ça. Non, ton cœur doit pas battre. Quand tu parles seulement, mon cœur bat, c'est non, ça. Non, ça doit pas te battre. C'est ça, mon préfet. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu trembles. Et quand tu ne dis pas la vérité, tu trembles. Tu vas être en train de mentir. Alors, si tu dis la vérité, tu seras libéré. Pourquoi les autres me voient et leur cœur ne va pas? Mais c'est toi ton cœur bat. Mamie. Je suis sauvé par toi. Hein? Je suis sauvé par toi. Je suis sauvé. Par toi. Par moi. J'ai vu ce qui est sur toi. C'est faux ou c'est vrai? Ça vient ce qui est sur moi. Rien, je vous dis que rien n'est caché à ton fils. Donc ce qui tu dis, ta rêve commence à. Et puis tu ne voulais pas parler. Je ne veux pas changer de place. Je suis devant mon Dieu. Quand on est déjà, on n'a pas de paroles. Non, c'était un souffle. J'ai demandé le nom des gens qui sont venus te demander ton mari. Tu ne veux pas parler? C'est ça, je voulais citer là. Là, tu veux citer quoi? Qui dit maman? Pardon, mon prophète. Qui dit maman? Il y a des gens. Qui dit maman? Il y a plein de choses à faire. Pardon, mon prophète. Qui était devant moi? Pardon, mon prophète. Où cela? Mon prophète, pardon. C'est là que je viens d'arriver. Pardon, qui est venu à celle-là? Comment vous êtes arrivé ici? Vous êtes arrivé ici comment? Oh, toi viens ici. C'est que derrière la petite là. Est-ce qu'on appelle ça des livres? Mon oui, comment est-ce arrivé ici? On est arrivé ici. Quand j'étais en train de mon enfant là-bas, elle se rend à Abidjan, chez mes parents là-bas. Oui. Elle a dit à sa tante, tantôt, que je vais te dire, il faut prendre au sérieux. Hé, stop, on s'était là-bas. On a bien prié pour ma maman. Sinon, son jour de l'accouchement, elle va mourir sur l'accouchement. Oui. Elle a dit ça à sa grande sœur. Nous sommes dans un campement là-bas. C'est où ça? Moi, je suis dans un campement de Touba. Elle a dit ça à Abidjan là-bas. Ouais. Et sa grand-sœur a appelé son papa pour dire que ah, voilà ce que ta fille dit. Elle dit qu'on n'est qu'à bien prier pour sa maman, sinon elle va mourir sur l'accouchement. Elle a appelé son papa, ah, mon pasteur. J'étais paniquée, on pleurait même. Je ne savais pas que je pouvais accoucher. En ce temps-là, vraiment, je peux vous dire la vérité. J'étais chez la féticheur, il partait. Mais maintenant, j'ai entendu votre voix, j'ai dit ah! Non, allons-y avec l'histoire. Et puis je suis allée dans le village. Je suis allée dans le village à Touba. C'est là-bas que j'ai accouché. J'ai accouché maintenant, après je suis revenue. Je suis revenue, elle est venue en congé. Elle est venue en congé dans ces deux jours-là, elle me dit ah! Si on dort le matin, elle me dit ah! Maman, ceux-là sont venus ici la nuit. Ils ont quitté au village pour venir. Mais il dit, je n'ai qu'à te libérer. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Yabouba devant mon prophète. Non. Quel village? Je suis de Gawa. Okay. C'est mon mari qui est de Batowa. Vous venez d'où? Vous avez quitté où pour venir, ça dit-vous? On était dans le village de Djokwe. Vous avez quitté Djokwe pour venir ici? On faisait à Bouna là-bas chez les gens. Dans Bouna, quand on travaillait chez les gens, un vieux nous a vu. Non. Comment vous êtes venu ici? Ici. Bon, on partait chez les gens. Mais comme à Douba, vous avez sauvé beaucoup de personnes. C'est où ça, Douba? Beaucoup ici. Ok. Vous avez sauvé beaucoup de personnes. Quand mon mari est en train de travailler là-bas dans ces deux jours, il a expliqué son problème à son tuteur.
conduite, elle a dit que, ah, comme elle m'a dit que les gens viennent derrière elle pour qu'elle donne sa maman, ah, le prophète est là-bas, qu'on n'est qu'à aller le voir. Que le prophète là, c'est lui qui a, beaucoup d'enfants étaient contents au village, c'est chez lui on est parti, et il a sauvé la vie de tous ceux-là. Que le prophète peut sauver ta femme et toi. En ce temps, je pleurais même. Parce qu'à faire de faire accouchement n'est pas facile. Et que ton enfant, propre enfant, dit que les gens quittent au village pour venir derrière moi, pour que je te donne. Chaque nuit, ceux-là sont là. Non, comme le monsieur l'a dit ça, mon mari a dit, d'accord. C'est qu'on n'est pas parti. Ils se sont levés pour aller dans l'autre village. Ok, ok. Ils ont pris ton numéro pour vous appeler. Oui, ok. Maintenant, vous avez besoin de Jésus. Il faut que je vous parle de Jésus. C'est vrai. Ok. Vous venez ici, c'est vrai que je suis le prophète, mais vous avez besoin de Jésus. Amen. Oui, ta vie exposée, parce que le diable, il ne voit pas Jésus en toi. Tu comprends? On va t'aider. Mais il faut que tu acceptes Jésus ce matin pour que je prie pour toi. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Mon prophète. J'ai accepté Dieu. Non, est-ce que tu veux l'accepter? Je veux l'accepter. Tu n'as pas accepté, c'est pour ça que le diable marche chez toi? Je veux l'accepter. Ok, lève tes mains. Je lève. Comme les yeux. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que toi tu désires. Que toi tu désires. Que je sois. Que je sois. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Moi et toute ma famille. Moi et toute ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant que Jésus est rentré dans ta vie. On va maintenant aborder le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Souvent quand je vais au champ, j'entends des bruits qui me font peur. Tu es sorcier ou pas? Je ne sais pas moi. Non. Je suis mis avec. C'est la peur. Tu es sorcier ou pas? Tu es né avec quoi? Avec la peur. Ça veut dire quoi? Tu es né avec quoi? La peur. Tu es sorcière. D'accord? D'accord. Tu veux être délivré? Tu veux être délivré? Donc, c'est l'occasion pour toi de parler. Tu sais, elle est comme elle a, je vois tout à l'heure comme un serpent. Elle a ça en elle, sa vie en elle. Non, va te sauver. Tu veux être délivré. Tu veux que Jésus t'enlève ça. Qu'est-ce que les gens veulent? Comment ça se passe? Ça se passe comment? Qui vient? Je viens du village. C'est qui et qui? Et tu fais quoi avec au village? Tu connais pas l'impression, c'est toi, ils viennent voir. Oui. Tu veux délivrer. Tu veux délivrer. Tu es dans un groupe où il y a 9 personnes. Ça veut dire que toi, tu as fait 9 personnes. Tu comprends? Tu comprends? Tu veux délivrer ou pas? Tu veux délivrer. Où tu as attaché ta maman? Où tu as attaché ta maman? Où tu as attaché ta maman? Je te pose la question. Vous êtes pas, tu n'es pas la seule. Vous êtes nombreux. Où tu as attaché ta maman? Sinon, tu as déjà pris ta maman, tu l'as attaché. C'est pas question de. Elle t'a déjà attaché, mais est-ce qu'il est la sorcellerie? Où tu as attaché ta maman? Tu ne veux pas délivrer. Mon père, c'est dans mon rêve que j'ai vu ça. Mais c'est un rêve dans la paix sorcellerie. Vous voyez sorcellerie, c'est comment? Sorcellerie, c'est comment? Hé, hey, mamie, sorcellerie, là, c'est pas un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve, non?
Il y a des professeurs ici. Il y a un professeur. Elle donne gnani aux enfants. Si tu veux que ta main soit délivrée. Hein? Ta main en danger. Oh, 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 stop, stop, stop! Qui t'a frappé ici? Qui t'a frappé? Un chien frappe quelqu'un? Hein? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? On veut te délivrer, t'en de pleurer. Tu pleures pourquoi? On a frappé quelqu'un ici? On t'a frappé ici? Hein? Non. Tu veux être délivré ou tu ne veux pas être délivré? Où t'es attaché ta voix? C'est tout ce que je veux savoir. Je t'ai déjà dit ce que tu es. Où t'es attaché ta voix? Tu n'es pas sûr, j'appelle la deuxième fois que tu te poses. La troisième fois que tu ne réponds pas, c'est qui devant moi? Ils sont fausses personnes. Où t'es attaché ton mot? Hein? Vers où ça? Alors? Pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Tu veux que ta main soit délivrée? Ils t'ont dit aujourd'hui, si tu parles, ils vont te tuer. C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? Entre toi, t'es tué, ta maman va mourir. Tu choisis quoi? Ta maman n'a qu'à mourir. Toi, t'as peur d'eux. Tu l'as attendu dans un champ, vers où ça? Oui, mais vers où? Dans une forêt. Oui, mais à quel arbre? C'est un arbre de... On te force ou bien? Quel arbre? Arbre de...